全てのユミルの民に継ぐ。俺の名はエレン・イエーガー。始祖の巨人の力を介し、全てのユミルの民へ話しかけている。パラディ島にある全ての壁の硬質化が解かれ、その中に埋められていた全ての巨人は歩み始めた。俺の目的は、俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。しかし世界は、パラディ島の人々が死滅することを望み、この島のみならず、全てのユミルの民が殺され尽くすまで止まらないだろう。俺はその望みを拒む。壁の巨人は、この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命を、この世から駆逐するまで。Ah, Amandine, elle a peur pour son cadeau de Noël. Elle a peur pour son cadeau de Noël ? Ouais, elle a peur que j'ai payé cher. Bon, t'as payé cher. Il veut pas te le dire, mais il a payé cher, il me l'a dit. Il a payé au moins 100 euros le truc, hein. Franchement, je lui ai dit, t'abuses pas un peu, elle va encore râler. Il me dit, mais non, elle va pas râler. Il me dit, mais t'es sûr, c'est Amandine. Elle a fait, oui, mais c'est pas grave. 100 balles, il s'en fout. C'est une date. L'amour n'a pas de prix. Ouais, c'est pour ça qu'il te paye pour t'avoir comme copine, c'est sûr. Ah ouais, quand même. Petit beau type. J'ai peur surtout que je trouve pas d'appareil photo. Et oui, je vais le tuer. On va le tuer, pas bien grand mot. Attends, un appareil photo, c'est pas ça, c'est ton cadeau ? Son cadeau ? Non. Ouais. Bah oui, c'est pour ça. Moi, il m'a pas parlé d'appareil photo, hein. Non, c'est parce qu'elle veut un appareil photo. Oui, je sais, mais tu m'as parlé que ce que t'allais lui offrir, c'était un peu plus coquin. Oui, bah tu veux que je le dise ou pas ? Ok. Alors on sait tous que tu vas faire un calendrier avec des photos de toi en pompier. Oh putain John, pourquoi t'as dit notre idée ? Ouais bah écoute, je le savais. Hein. C'est pour ça qu'il a mis 100 euros, parce qu'en fait, pour expliquer... Pour Ellie, c'est ça ? Bah en... un jour peut-être que oui. Mais sauf que moi, mec, moi je vais le faire, hein. Franchement c'est une putain d'idée. T'avais l'idée en tête ou je vais te la donner ? Mec, tu viens de me la donner ? Ah merde chérie, j'ai donné un tuyau à l'ennemi, fais chier. C'est incroyable quoi. Hey. Bah justement, je me fais engueuler, tu as donné notre idée là-bas, car oui, bah écoute, j'aime bien, Ellie c'est une communiste, hein. C'est notre barbe, c'est nos cheveux. Non mais franchement, tout ce que j'ai de mon corps, c'est à elle. Plus rien m'appartient, je suis foutu. Je me garder un objet. Alors est-ce que c'est un vrai question ? Abonnez le Minecraft là. Hop. Ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas le live. Ne paniquez pas. On vous voit paniquer, Surtout une personne en particulier. Non, lève pas ta cave, non. Ne vous inquiétez pas, vous verrez toujours ma tête. Toujours là. Certains, oui, ils ont pas. Vas-y. Alors il faut que je le dise doucement pour qu'on comprenne à l'oral. Certains oui, ils ont pas niqué. Doucement ma chérie, doucement. Elle est drôle hein, franchement elle est drôle. Ça y est, on a la bête a été lâchée. Ah oui, mais à chaque live elle est comme ça, on est pas rien. Histoire, let's go. Un royaume prospère dont la tour majestueuse dépassait fièrement des nuages. C'est le royaume de Tufoul. C'est le royaume de Tufoul. Putain, mais wesh, mais gros, je me fais agresser. Le retour du royaume de Tufoul. Ah bah là, oui, c'est le vrai. Le royaume vécut en paix pendant de nombreuses années jusqu'au jour où, à la mort de son roi. Ah merde, je suis mort. Ah, il faut que j'aille réveiller John. Ah putain, non, c'est prévu ça. Donc s'il y a vraiment un John dans le jeu. Incroyable. John, t'es un clodo. Bah oui, je suis un clodo. Ah, c'est moi, John. Ah, bah c'est. Le clodo, c'est moi. T'en rends compte pas. Vous devriez pas être au travail en ce moment. Je le savais, vous êtes un nulos comme les autres en fait. Ah, mais je le fais vraiment insulter. C'est un live FIFA que je suis en train de faire là. Je le fais insulter. Nulos. Oh, tu te fais boulos. Ah putain, ouais, a raté, incapable de garder un boulot. Oh putain, doucement, c'est bon. John, la classe, comme d'habitude. Oh, bah, en fait, tu es encore pressé aujourd'hui. Ah bah oui, pas étonnant pour le meilleur mineur de l'île Cocotte. Oh. Cocotte. Plairait-il d'entendre l'histoire d'un vieux spectre comme moi ? Volontiers. Merveilleux. Mon public manquait un peu de vie ces derniers temps.
Attends, c'est une tuerie ce jeu. Il y a fort longtemps. Attends, je vais faire une bonne voix gravate. Êtes-vous prêt Il y ou a pas? fort longtemps. Il y a fort longtemps, l'humanité entière vivait dans de grandes maisons de verre. Ça fait ça part en SNK. Chacun possédait sa propre boîte mystérieuse qu'il gardait précieusement. C'est la clé pour la cave des reines. Chelou le vieux. Dans chacune de ces boîtes existait une infinité de mondes et d'histoires. Ah là, on part sur Marvel là, par contre. Les amis, la famille, oui. On pouvait même trouver ces êtres chers dans ces boîtes. Okay. Un jour, cependant, les boîtes volèrent en éclats. Et en un instant, tous ces mondes disparurent. Paniqué et pas paniqué, bien évidemment, tout le monde fuit sa maison, en se demandant ce qui avait bien pu se produire. C'est alors que les gens remarquèrent que leur maison de verre était comme les boîtes. Oh, et c'était tous des sardines, aussi obscures et noires que la nuit. Y a Patrick Sébastien dans ton jeu. Oui. Mine. Attends, je ramène une gosse à la mine quand même, là, vous êtes sérieux? Une mineure dans une mine. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. C'est validé. C'est validé. Je pète une barre et ils sortent tout ça comme excuse. Oh, allez, fais pas le ralin. Je te l'emprunte, chier et tout. 2 jours max. La gamine ou... Non, il parle à cacadote, on n'est pas encore Ouais, là. pour ça je me suis dit, Ah, je bah la t'emprunte gamine, la elle sert. gamine, c'est tout. Allez, va travailler, feignant. Eh, c'est bon, c'est bon. Trop moyen, Ouais, hein, feignant. feignant. Je le rendrai dès que j'aurai fini avec. Ouais, il parle de la gamine en fait. Non, je rigole. Tu dis ça à chaque fois. Elle s'appelle Reviens, elle s'appelle pas Sam, elle s'appelle Reviens. Et pourtant, tout ce que je t'ai prêté, j'en ai jamais revu la couleur. Ah, bah il a prêté tellement de gamines aussi. C'est le Mac. C'est le Mac. Ah, bah nous on arrive quand ils partent. On a un problème, un gros problème même. Bah, on a emmené une mineure dans une mine, mais bon. Des limaces peut-être? Des. Eh. Eh, bingo, deux pour le jeune gardien. Hein. J'ai deviné ce qu'il allait dire sans savoir ce que c'était ça. C'est dangereux là-dedans, tu ferais mieux de rester ici avec tonton Denis. Oh, il fait peur. Nous, on te protégera des limaces. Non, tonton, non. Mais j'ai pas besoin qu'on me protège. Il a raison. Sam, et si je te racontais la fois où le maire a affronté le terrible dragon? Pas Le encore cette dragon. histoire. Oui, un terrible dragon, apparemment. C'est le fameux terrible dragon de tonton Denis. Mais elle, quand je suis en live, c'est une dinguerie. Va faire tout noir. Oh! Oh! Des limaces qui spawnent! Coup de poil! Coup de poil! Oh! Je les écrase! Oui! Et puis écoute, t'es brillante. Oh, on peut charger l'attaque! Ouh! Kamehameha! Ouah! Je connais le Kamehameha, mais le Kamehameha. Kamehameha! Est-ce que là ça devrait marcher? Pour m'allumer? Ah, let's go! Putain, intelligent le jeune, intelligent. Il y en a là-dedans. Dans 10-20 ans, il n'y aura plus des jeunes intelligents comme ça là. Oh! Pété! Ouais, mais Oh c'est putain! Oh putain! Ça va péter, je vais exploser! Je vais exploser! Ah merde! Voilà, j'ai fait péter les boss. Oh, quand même. Wouah! Voilà, il est moche. C'est alors qu'il. De quoi tu joues? C'est un Bomberman que tu joues là? Bah oui. Il nous a flanqué une sacrée frousse, mais au moins il a pas touché à nos payes. C'est au moins ça. C'est au moins ça. Parce que faut pas toucher à l'argent. Hein. Tu peux te faire humilier, mais on touche pas à l'argent. Hop! Ah, John, ta poêle. Oula! Oula! Là, j'aurais fait une voix un peu. Ah, John, ta poêle. Ouais. Hein? Oh non! John, ta poêle, elle est cassée. Ah merde, c'était pas un truc très chaud. Ah, c'était pas un truc sexuel en fait, Non, c'était non, c'est juste juste que ta ma poêle poêle est est pétée. cassée. Demande donc à Dédé d'y jeter un œil. Ouais, ce vieux briscard sait tout réparer. Barbe grise, vous devriez en acheter une à Sam. Après tout, sans carte mémoire, elle peut pas se faire d'amis. Quoi, alors, il y a des cartes mémoire. C'est triste. Pas Oui. d'amis, triste. Tu vas m'en acheter une? Oui, c'est vrai, dis. Avec l'argent des Oh, trop autres jeux. génial. Bah, c'est ça, je vais enfin pouvoir jouer en L'argent, bonne. oh, mon argent. Faites les dons là, va falloir payer la carte mémoire pour Sam. Va falloir mettre la main au porte-monnaie cette fois-ci, Barbe Grise. C'est pas souvent que tu viens faire tes courses ici. Enfin, qu'est-ce qu'il te fallait? D'habitude, il va chez la concurrence, quoi. Ouais, je vais dans les poubelles. C'est tout ce que je fais. Oh, si, on va vraiment jouer un. Commence par l'attitude attaque puissante de chevalier. Oh, mais c'est trop stylé! Le marchand, qu'est-ce qu'on fait? Aptitude. Force ennemi à contenter un prix qui lui réclame des intérêts à chaque tour. Fléchette d'or.
Jette de l'or sur les ennemis, plus il y a d'or, plus les dégâts sont élevés. Oh, je vais utiliser les oreillers, c'est drôle. Force l'ennemi à contracter un prêt, il lui réclame des intérêts à chaque tour. Le marchand, c'est un huissier en fait. Oh, il subit là. Roi démon a des dettes. Intérêt soutiré à roi démon. Hey John, ce grenier, le maire est en train de lui hurler dessus. Mais lui, il reste planté là comme s'il allait faire dans son froc. Le maire, il lui fait qu'est-ce qu'elle fiche encore ici, la gamine. Ah, tu te crois au square ici? Alors évidemment, j'ai dû intervenir et monsieur le maire, je lui fais. Ah, les émoulous. Il vient juste de dégommer une armée de limaces quand même. Merci, mon pote. Oh, c'est un mini-jeu. Ah, ok, j'ai compris. Trop bien comme jour. Bonne, bah, du coup, bonne soirée. À demain. Demain, bonsoir. Ousna! Let's go! Yep! Et. Ah! Je le pas! 70. Yep! Ok, là-bas. Let's go, plus 25. Non, mais me pousse pas! Quoi? Ah non! 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 Poussez-vous! Non! Let's go! Let's go! Bravo! Ah, le génie, mais quel génie! Incroyable! Il y a une jeune gardienne qui pense à tout. If you wanted to make yourself more useful, you could try wearing something a little more fun and festive, or pretend to be a ghost to entertain the kids. You know, liven up the atmosphere. I can't just. Yoimiya, they've already run off. Huh? Hey!